Attends, tu veux rire? Attends, ils sont où les ricochettes? On a compté combien? J'en ai rien, j'ai vu rien, zéro! Bah vas-y, si monsieur peut mieux faire. Le cargo, c'est sur l'eau qu'il faut que ça ricoche. J'en ai mal à la tête tellement je suis content. Un ricochet, c'est un ricochet, hein. J'ai hâte de voir la tête que fera le capitaine quand il verra sa surprise. C'est son plat préféré, il va se régaler. Miam. Wow. Hmm? Une huître. Wow, t'as vu, j'ai trouvé une huître. Wow, c'est génial pour faire des ricochets, ça. Sors tes jumelles, rapido! Regarde comment je vais la jeter! Hein? Ouah, une boule de bowling! Ouah, je vais pouvoir lire l'avenir de... Une seconde! Je l'ai vu le premier! Alors lâche ça! C'est une boule de bowling, t'y connais rien! C'est la champion 3000, elle est faite pour moi! Une boule de pro! Elle est classe de chez classe! C'est la boule de chez boule! Mieux, ça n'existe pas, elle est à moi! Yeah! Elle est pas qu'à toi! Elle est à nous! On l'a trouvée ensemble, tous les deux! Moi, je dis qu'on doit la partager! Yeah!15 jours qu'ils complotent dans mon dos. Je serais curieux de savoir ce qu'ils ont derrière la tête. M'étonnerait pas qu'ils préparent une mutinerie. C'est pas un vieux loup de mer comme moi qui vont la faire, qu'ils y viennent. Je vais les recevoir. Vous ne m'aurez pas sans combattre. Warrior! Joyeux anniversaire! Non, mais quand je vois un aussi beau gâteau, je ne résiste pas. Je le découpe tout de suite. Va falloir que je recompte mes doigts, je suis pas très sûr. Ça, vrai, le gâteau, c'est une belle tradition de la marine. Capitaine, moi et Beignon vous offre ces quelques huîtres et cette petite surprise. Hein? Un gâteau, mais c'est formidable. Des huîtres, un gâteau surprise à moi. Mais voyons, il fallait pas. Vous êtes très renseigné. Comment avez-vous su que je suis grand amateur de golf? C'est facile à deviner. Vous arrêtez pas de nous saouler avec vos souvenirs, le de grand. Oh, quel club bien équilibré. Ce parcours de golf. Vous allez vous régaler, capitaine. C'est un mini-golf géant, entièrement fait en fromage à trous. Hein? Ouais, d'ordinaire, je ne joue que les 42 trous. Mais c'est pas grave. Svetlana, attention, mais il faut pas rester derrière. Excusez-moi, capitaine. C'est la dernière fois. Les champions de golf ont besoin d'avoir de l'espace pour évoluer. Donnez-moi une balle. Oh, les balles! 3 douzaines, on en a commandé, mais elles sont toujours pas arrivées. Bah, et sans balles, c'est nettement moins amusant. Ah! Ah! Oh, c'est de la balleuse! Oh, les boules, ils m'ont piqué ma boule! N'importe quoi, ils jouent au bowling avec une canne, mais j'ai jamais vu des nuls pareils. Capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hé, hey, oh, je te demande une idée, pas de pleurer. Je pleure pas. Ça vient de juste derrière moi. Vous m'avez volé mon père, l'espace de voleur. C'est toute ma vie qui s'écroule. Jamais je ne pourrai en faire une aussi belle. Une perle? Comment ça, une perle? Elle dit que c'est pas une boule de bowling. Mais depuis quand tu crois les mollusques, toi? Tu sais très bien que c'est les rois des menteurs. Hey, Raz, écoute.
écoute, je te laisse papoter avec l'huître et moi je vais récupérer la perle à boule. Je suis fier de toi, comment je suis fier de toi, t'es vraiment trop génial, ça je savais. Wesker! Quel joli coup! Oh, je l'ai! Oh, jamais je ne la récupérerai! C'est horrible! Ma vie est fichue! J'ai plus qu'à me recycler en moule! Oh, je n'oserais plus sortir de ma coquille! Chut! Je l'ai! Tout est parfait, j'ai conservé mon swing. Je l'avais, elle était là dans mes mains, je l'avais. Alors Laura, tu l'as? Ma perle, rattrapez ma perle. Malin, où ils sont passés? C'est tout. Te presse surtout pas, ça se fait pas de faire attendre les dames. Au contraire, mon petit Raz, il faut savoir se faire désirer. C'est l'autre mollusque qui me tombe dans les bras. Mais oui, j'ai trouvé une super idée. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la bouboule rentre à la maison. Allez-y, avant-dernier trou, capitaine. Regardez comment j'ai gagné mon premier trophée en 1912. Alors, vous l'avez, ça y est. Évidemment, ma petite huître. Vas-y, rapido, tu lui rends. Oh, ma boule de bowling. Rapido, tu reviens ici tout de suite. C'est bon, j'ai la boule, je vais être le premier à champion de bowling. Oh, mais te voilà, ma baballe. Hein? Ischia! Alors là, c'est très fort, capitaine! Ah oui, 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 c'est très très fort! Allez, on arrête de rigoler. Tu me donnes la perle, tu l'as cachée où? Hein? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu l'as mise dans la baleine numéro 4? Tu lui as bouché le nez! Tu vois? Quand je te dis que les huîtres, ça fait des super ricochets. Quand je pense que j'ai fait confiance à un mollusque, j'aurais jamais dû la lâcher, cette perle. Avec ça, je fais au moins 1000 ricochets.
Très intéressant. Mais enfin, mais puisque je vous dis que c'est une vraie, allez! C'est ça, je vous donne 10 dollars. Elle en vaut 600. 11, et tu te tires, tu dégages. Mais vous rigolez! Allez, quoi, un petit effort! Tony Giannini, ligotez-moi cette grosse moule! Ah bah, Macron! Et vulgaire avec ça! Je crois qu'il me semble qu'il traite quelques kilogrammes en trop à perdre. Sale bête, rends-moi ça. Ah, Razmo, je te cherchais. Comment ça va? Dis donc, t'as l'air tendu. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je fasse courir la dinde. Ben et moi, qu'est-ce que moi? Mais qui c'est qui est pour ça? C'est rapido? De toute façon, il y en a toujours que pour lui, c'est toujours pareil. Eh ben ouais. Tac, 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 je joue du couteau, je coupe la carotte, tac, 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 tac. Dis donc, toque blanche, je te mets au défi de m'attraper. C'est moi, Razmo, le plus rapide. J'adore couper les carottes et en plus, pour une fois, je me suis même pas fait mal. Ça va pas rapide en ce moment, je sais pas, il y a comme un... Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire comme si j'étais pas là? C'est incroyable, j'ai l'impression des fois que j'existe pas carrément. Rapido, tu m'écoutes? Tu me fatigues. Bon, allez, je vais me percer les points noirs. Salut. Mais même lui, il m'ignore. Mais attends, mais je suis quoi? Je suis un raté? Qui est-ce qui dit ça? Hein? Parce que, pour ce que j'en sais, nous avons tous nos qualités. Une langouste? Oh, c'est pas vrai! Aussi vrai que t'es un vainqueur. Un quoi? Tu te considères comme un minable. Si tu te comportais en vainqueur, si tu avais l'assurance d'un vainqueur, si tu te considérais comme un vainqueur, tu ne serais pas loin de convaincre la terre entière que tu es un vainqueur. Allez, réagis, ressaisis-toi et saisis ta chance, parce que tu as devant toi le professionnel de la motivation personnelle. Je me ferais motiver par une langouste? J'ai de les plus grands de ce monde et je t'aiderai. Moi, c'est Lionel. Top là, mon gars. Eh ben, tu vois, quand tu veux, je révélerai le vainqueur qui est en toi. C'est marrant, ça. Rapido, je te présente Lionel, mon motivateur personnel. Ah! Une langouste? Mais c'est génial, sors le beurre! Et ils trouvent ça drôle. Enfin, rien ne peut m'arrêter. Grâce à moi, les stars se forgent un moral et grimpent jusqu'au sommet. Eh ouais, c'est moi la star, ce coup-ci, c'est moi. Ouais, ouais, bah en tout cas, star ou pas star, moi, il m'aiderait bien s'il plongeait direct dans l'eau bouillante. Avec un type pareil comme ami. Oh, bah je comprends que t'aies des problèmes, Razmo. Non, laissons-le. Ignorons-le. Allez, viens. Nous avons du pain sur la planche. Remarque, c'est l'occasion de se faire une bonne bisque de homard avec du gratin. Cet exercice s'inspire de l'œuvre complète de Maurice Picasso. Là, les couleurs agissent sur l'état mental, renforcent le moral et le caractère. Ah bon, mais j'ai l'impression que ça me plaque les oreilles en arrière, non? J'ai l'impression. Eh ben, c'est que tu sens déjà les effets bénéfiques. Ouais, laisse-toi aller, fais-toi confiance, trouve la force qui est en toi, affirme-la. Tu y es, Razmo. Tu as confiance en toi. Une confiance inconditionnelle. Confiance. Eh, hey, dis donc, le crabe, hey. Attends, c'est fou tout le mal que tu te donnes pour Razmo. Non, mais pour rien, en plus, pour gratuit. Eh, dis donc là, toi, soyons clairs, qu'est-ce que tu veux dire? Mais personne s'intéresse à Razmo, même pas moi, personne, tout le monde s'en fiche de lui. Oh, comment tu... Eh, tu arrêtes de parler comme ça? Lionel, il fait que m'aider. Pour mon problème d'assurance, ok? Alors tu nous lâches, ok? C'est très très bien, c'est très bien, tu t'es pas laissé faire, hein? Tu t'es défendu tout seul, c'est très bien. Alors, comment tu te sens? Super bien, ok? C'est vraiment super. Je me sens super bien, ok? Ah, j'ai grave confiance en moi, c'est génial!
Et là, je veux du café, carrément. Ou... Oh non, peut-être du thé. Non, du café... je sais plus ce que je veux. Tiens, d'habitude, le matin, tu bois du lait à la fraise. Laisse-moi tranquille. Il recommence qu'à m'énerver. Décidément, toi, tu peux pas t'en empêcher. Tu commences à sentir les effets quand même. Véhicule de patrouille à centrale, on sillonne le périmètre. Oui, bon, ben moi, je vais pas moisir ici. À force, ça finit par jouer contre moi. Par exemple, sur le tournage de Terminator, on voyait que moi. Schwarzy, le pauvre, il le vivait super mal, surtout les scènes où je le battais. Alors les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de me couper. Incroyable, non? J'adore les mollusques, ça croit tout ce que je dis. Tiens. Ah, cette carapace me va ravir. Du sur-mesure, on la dirait faite pour moi. Même sans le dentier, je suis pas mal. Hein. Et dis donc, t'as de moi que tu causes, toi. Oh, ah. Et je perds mon maquillage. Quoi? Qu'est-ce que c'est qui se passe par là, là? Il vaudrait mieux que t'aies une bonne explication pour ce bout de pince. Oh, ma queue. Réponds, je veux savoir qui tu es. Je suis un prisonnier qui s'est échappé. Mais maintenant, t'en sais trop. Et je vais me débarrasser de toi. Hé, Rasmo, on attaque la phase 3. Viens, viens, viens. Ce coup-ci, en plus, Rapido nous donne un petit coup de main. Tu lui tires dessus un coup de boulette pour le faire tomber de la planche. Et vise bien les yeux. Et ils mettent comme ça, gratuit, c'est bizarre, c'est pas son truc. Déjà que tu te connais pas toi-même, comment tu veux le connaître, lui? Mais s'il tombe, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il s'écrase, mais ça, c'est la technique, hein. Tu t'en occupes pas. Toi, t'essaies juste de le faire tomber. Merci, hein, Rapido, c'est super sympa. Toi aussi, quand t'auras un problème de confidence, je t'aiderai. Attention. Mais tu l'as raté. Pourquoi tu l'as raté? Essaie en y mettant la conviction nécessaire. Ouais, je vais t'éclater. Hé, les poubelles, c'est pour le chien! Allez, vas-y, Rasmo! Allez, mise-y tout ce que t'as dans le ventre, vise! Tiens, tiens, Lionel! C'est bon, Franck, on l'a retrouvé! C'est rien que du bonheur, non? Et vas-y, tiens, presse, vas-y, continue! Massacre-le, détruis-le! Hein? Salut, Lionel! Content de te revoir. Y a un pote à toi qui aurait deux mots à te dire. Franck, oh ben voilà une surprise. Qu'est-ce que tu fais là dans cette tenue? Tu vas attraper froid, faut pas rester comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi? J'arrête, c'est un criminel. Hein? Rends-moi ma carapace, espèce d'escroc. Merci. Ah, oh, je me sens mieux. Ah, oh, génial. Mais merci. Mais oh, mais, merci. Oh, j'avais oublié celui-là. Arrête ton cinéma, sors maintenant. T'es démasqué, Lionel. Un mollusque? Eh, c'est toi le mollusque. Je suis une langouste, mais je suis né dans une coquille. Mais je me suis fait remonter le moral par un mollusque? Et kleptomane par-dessus le marché. Vous êtes fait regonfler l'ego par un minable qui s'assume pas lui-même. C'est trop bon, ça. Ah, dégoûté. Un mollusque?
un mollusque, des huîtres, une moule, tout ça c'est pas grave. L'essentiel c'est que tu te sois fait avoir. Mais t'es vraiment minable, se faire avoir par un fruit de mer. Eh ben ouais, fruit de mer, y a pas de honte, je suis désolé. Y a les grands hommes qui sont fait soigner par des fruits de mer. Ah, le navire est envahi par des mollusques. Salut. Est-ce que tu sais où on peut trouver notre ami Rapido? On s'entend trop bien avec lui. Rapido? Il a des amis mollusques? Il est même notre meilleur ami. C'est vrai? Attends, mais c'est super comme info, ça c'est incroyable. Ça veut dire que lui aussi il avait des copains mollusques. Ah. Allez, dégagez, bande de minables, on me la fait pas deux fois, moi. Attends, moi je parle pas des mollusques, hein, je suis désolé. Non mais, il va se calmer lui. Après cet hiver moisi à moi le soleil, je vais enfin pouvoir faire bronzer mon corps de rêve. Hey, Rasmo, ouvre tes narines. Sens-moi ça. Alors, ça t'évoque rien? Ma parole, ça pue le vieux poisson. Oh, on se secoue. Allez, la marmotte, allez, on se réveille. Hey, Rasmo, tu sais l'heure qu'il est? Il est l'heure du bain. Alors, elle est pas bonne, hein? Ça remet les idées en place, ça, hein? C'est froid et ça pue. Et ça mouille. Quoi? Tu veux qu'on aille plus vite? Tu veux des sensations? Tu veux faire du ski nautique? Eh bien, t'as qu'à lui demander, à lui! Je raffole des crevettes. Fini de faire trempette? Je sais ce qui ne va pas. Tu sais quoi? Il te faut un nouveau look! Ouah, génial! Exact, je suis génial. Et toi, t'as toutes tes salopettes à changer. Attends, carrément bouffer de la morue. Refaire ton visage coûterait trop cher. Il te faudrait des sandales compensées. Voilà le chef cuistot, le chef cuistot, le chef cuistot. Voilà le chef cuistot. Je reviens du marché, une poule dans mon panier. Le fromage c'est fini, ce soir y'a poule au riz. Avec une poignée de persil, y'a rien de meilleur que la poule au riz. Même Benny a l'air en très grande forme. Quoi? Quelle erreur! Il veut dévorer cette pauvre petite bête! Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Je ne le laisserai pas commettre ce meurtre! Hein? Oh non! Ça va lui mettre le feu! Au moins une heure et demie de cuisson! Salery, carotte, vous faites le court bouillon! Au moins une heure et demie de cuisson! Et une fois que c'est cuit, tout le monde dit: oh là là, c'est bon! Ouais, super, Lara! J'arrive pile à temps, on dirait! Moins une, tu passais à la casserole, ma cocotte! La poule! Rends-moi ma poule! Ah! 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 Tadé! Rasmo a sauvé la princesse des griffes de l'ogre! C'est le genre de truc que je fais sans même y réfléchir. Oh, rassure-toi, mon enfant. Tu n'as plus rien à craindre. Regarde-moi dans les yeux, je t'ai sauvé. Hey, Don Quichotte, qu'est-ce que tu comptes faire de ta poule? Je vais lui rendre sa liberté. C'est très, très généreux. Elle a le droit divin de déployer librement ses ailes et d'aller rejoindre les aigles tout là-haut dans les nuages, de naviguer dans les plus hautes sphères. Envole-toi, va noble créature, sans le vent glisser sous tes ailes. Suis ta destinée. Va, fier volatile, vole. En vol, ton volatile, il a pas l'air trop à l'aise. Elle s'est pas volée. Pourquoi elle me l'a pas dit? Elle s'est peut-être pas non plus parlé. Dans les bras de Papa Benny. Yeah!
Bienvenue à bord. Tu nous as fait une de tes frayeurs. T'as plus rien à craindre, gamine. Le commandant Razmou va faire de toi une championne de voltige aérienne. Et la voltige aérienne, ça me connaît. Je suis un spécialiste. Alors écoute-moi bien, gamine. Pour être un as du ciel, il faut une confiance indéfectible, des nerfs d'acier, une volonté de fer et une détermination sans faille pour monter tout là-haut, 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 là-haut. Regarde ce que je fais. Fais. Allez, vas-y, fais comme moi. Fais. Oui, t'es là. Fais. Vas-y, encore, encore. Agite les ailes un tout petit peu plus vite. Tu décolles, lâche les temps. Bon, ça suffit, Razmou. Faut arrêter le délire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle était à deux doigts de décoller. C'est impossible, mon vieux. C'est en totale contradiction avec les lois de Darwin qui stipulent que la surface de l'aile par le carré de la masse égale à une hippotome à deux pattes à plumes. Tu piges? Mets-le plutôt au régime et paye-lui un billet d'avion. Une chance que tu sois là. Un peu plus, j'allais mourir idiot. Bon, maintenant, si ça t'ennuie pas, mademoiselle ici présente doit aller faire un vol! Écoute bien ce que je vais te dire! Cette poule volera! Je m'énerve, mais je m'énerve, je sais pas ce que je veux. Yeah, c'est prêt! Alors, c'est bon, t'abandonnes? Désolé, je peux pas te parler, je travaille, excuse une autre fois. Panty, 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 viens voir papa Benny. Ah, panty, 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 la poule. Ah, je savais bien que je te retrouverais. Vole, ma poulette, vole. Tu frises gravement de ridicule, hein. C'est ça que tu appelles voler? Elle bouge même pas les ailes. Voler. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, elle bouge les ailes maintenant. T'as rien à dire là, hein? Vol, vas-y, ma cocotte. Attention, faut pas te laisser. On dirait ce qu'on voudra, ça fait quelque chose de voir ça. Oh, ma petite cuisse vole. Excusez-moi, monsieur le marionnettiste. Pas maintenant, rapido. Ma petite fille vole, elle vole, regarde. N'importe quoi, tu sais pertinemment que sans son moteur, elle tient pas 10 secondes en l'air. Bien sûr que si, elle vole, regarde ça. Je te dis et je te répète que sans cette prothèse motorisée, cette poule ne vole pas. Non, là, elle vole pas. Elle se vautre. Ah, ça y est. Je sais comment la faire voler. C'est plus qu'une simple affaire de matériel. Voici le dernier cri de la technologie Radbord. La poule Bord. Un chef-d'œuvre aéronautique conçu tout spécialement pour la poule terrienne. Existe en différents coloris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir... Poule Poneleton. Je me sens tout chose. C'est émouvant, non? Mais ça fait... Patti, 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 patti. Où es-tu? Tout entendu. Oui, décollage réussi. Je te signale qu'il faut qu'elle batte des ailes, ta poule, si tu veux avoir une chance qu'elle soit reconnue officiellement comme oiseau volant. Et il va de soi qu'elle est disqualifiée si elle se mange la cheminée du cargo, ce qui n'est plus qu'une question de seconde. Ah, c'est plus de la voltige, c'est du grand art. Alors là, bravo.
C'est vrai que ton élève est très douée. Elle a su très vite maîtriser notre engin. Elle a de la classe. Je savais qu'y arriverait, Marie. Marie? C'est le plus grand jour de ma vie. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de l'aviation. Ils disaient tous qu'on n'y arriverait pas. Ben moi et ma poule, on l'a fait. Au revoir, Marie. Bon voyage. Envoie-nous tes nouvelles. Rapido, regarde. Elle a tout de suite retrouvé les siens, c'est pas merveilleux. J'ai atteint le but de ma vie, au-delà de toutes mes espérances. Je suis un héros. Tu mériterais même d'être président de ton fan club, toi. Je suis le meilleur. Calme-toi. C'est très bon quand c'est bien grillé. Toi qui aimes la bonne musique, tu vas te régaler, bouge pas, écoute le son. Non, tu t'en vas avec ta flûte. Mais t'es nul, Rapido, mais tu comprends rien. T'as les oreilles complètement anesthésiées par ta soupe commerciale, c'est ça? Tous les matins quand j'ouvre les yeux sur ma vie, j'ai qu'une envie, me boire un bon jus de fruits. Mais quand je vais ouvrir mon frigo, il n'y a là que de l'eau de mer et puis quelques bulots. Oh, wow, bravo, et ça c'est du blues. Bienvenue à bord, les amis musiciens, c'est génial. Qui t'es, toi? Comment tu t'appelles? Razmo. Razmo, Razmo, Jazzmo. Danse avec moi, Jazzmo. Flip, flap, swing avec tonton mode Joe. Ouais, ça swing. Ding dong, rythme, hip hop, jazz pop. Jette la ligne et repêche Jim, Sam et Blues Joe. J'aime le fromage. Ouais. Hein? Allez, salut vieux et merci. Hé, attendez, vous allez où deux secondes? Mais je commençais juste à me chauffer là. Oh, vous restez bien quand même manger un morceau. Oh, mais c'est incroyable ça, je lui dis à chaque fois, mais il entend mal ou quoi? Razmo, ouvre un peu ta fenêtre quand tu cuisines du poisson, ça sent mauvais. Qui c'est celui-là?
Mais c'est mon pote, mais c'est un non-artiste. Un non-artiste est sur le cargo, et ça me donne le blues, c'est Joe. Je peux pas le laisser, il faut que j'aille lui chanter le blues jusqu'à ce qu'il chiale. Pâter la moutarde. Tiens, la voilà. C'est pas la peine de broyer. C'est sympa. Hé les copains, ça vous dirait une partie de cache-cache, c'est génial. Sinon je peux vous jouer un morceau d'harmonica aussi. Commence à compter. Ça soulage un peu ta musique de sauvage après ce que ton pote nous a fait subir. Quoi? Mais on va où là? Dégage! T'as rien à faire sur mon fauteuil, dégage! Dehors! Bonjour l'accueil! Donne-moi ça! Je te le répéterai pas, t'as 2 secondes pour vider les lieux! Ah, la vieille odeur là-dedans! Et t'es gentil, tu dis pas à ton pote qu'on est là. Il doit être sourd, il est cacophonique. Ma baignoire, sortez de là! D'accord, j'ai compris. Hé, Mozart! Faut qu'ils partent, tes potes, il faut qu'ils partent! Mais on commence juste à s'éclater, ça va être la grosse fête! Oui, ben t'annules ta grosse fête, il faut qu'ils partent, je veux plus les voir, ils retournent à l'eau! Hé, écoute ça, j'ai bossé un truc, tu vois. Idiot! Attends, il y a un incroyable son, là. Dub-a-dub Joe, il y a un os dans mon bulot. Oh, là, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Tiens, attends, je vais te faire écouter. Rendez-moi mon harmonica! Tiens, le voilà. Mais un conseil, apprends d'abord à en jouer. C'est des gros nuls. Personne n'a le droit de me parler comme ça. Je joue comme je veux, ok? J'en ai marre. Je suis dégoûté, j'en ai marre. Ils m'ont même pas écouté. C'est incroyable. C'est moi, je suis trop gentil. Ça va comme tu veux. Parce que moi, j'ai peut-être un moyen pour me débarrasser de tes macros si ça t'intéresse. Un peu, ça m'intéresse, ouais. Bon, alors premièrement, donne-moi ton harmonica. Pourquoi? Ça fait partie du plan. Ok. Mais tu me la rends après, hein? Mais bien sûr. Et ce n'est que le début. Hé, hey, je vous fais une imitation, les gars. Ça, c'est de la musique. Vite, ils arrivent. Oui, c'est bon, j'ai fini. Allez, dégagez, les gros poissons. Tiens, tu m'étonnes que ça swing. Un jazz club. On va les mettre minables. Oui. Pour un jazz club, la décoration est assez discutable. Ah, normalement, ça se fait tout seul. Le problème, c'est quand il faut repartir. Rentre chez toi. Hein? Waouh! Des macros, ça va super bien avec le fromage.
Bataille! Ce soir, si on n'a pas du poisson au menu, je m'appelle pas Razmo, rapido. Non, toi c'est Razmo, Raph, c'est... Attends deux secondes, je vais voir un truc. On s'est fait avoir comme des rats. Par ici la sortie. Ils sont échappés. Oui, bah c'est pas une grande perte, hein. Oh, comment ça fait du bien, comment ça sent bon dès qu'ils sont plus là. Mieux. Hmm? Tiens, je te prête tous mes CD, tu peux écouter. C'est de la Booga Dance. Let's go. Ah, ah, regardez ce que je viens de trouver. Hein? C'est que des trucages. Le Kung Fu, c'est pas des effets spéciaux. Rallume. Mais je regardais la télé, là. N'importe quoi, ça va jamais griller, hein. Faudra que tu laisses des jours et des jours avant que ça prenne une petite tache brune. Et voilà, ça, c'est du kung-fu. Razmo, je vais t'avouer quelque chose. J'ai été un petit rat de 3 ans et demi qui a été recueilli et élevé par des moines dans un monastère Shaolin il y a bien longtemps. Quand je les ai quittés, je maîtrisais parfaitement le Tao de tous les animaux. Singe de feu, c'est ma spécialité. Ceinture noire, 16e dan. Bon, je te laisse. Si tu veux devenir un maître du kung-fu, tu devras étudier toutes les disciplines, petit scarabée. Et surtout connaître sur le bout des doigts l'art du... massage de pied. Comme ça, c'est bon, là, ça te plaît, là? Bien le bonjour. Vous allez faire vos valises et abandonner ce navire. Moi, je suis Bruce Louis. Lui, c'est Abdullah Abdullah. On est le gang de les dames. Ce bateau et sa cargaison sont à nous.
Mais d'où tu sors, toi, hein? On est chez nous ici, allez hop, demi-tour, les gamins. Eh, mais c'est horrible, cette coupe, tu vas me changer ça tout de suite, allez, dégage. Wouah, je suis très impressionné. Bon, allez, tu dégages maintenant. Ou vous allez provoquer la fureur du singe de feu rapido, grand maître Shaolin de Kung Fu à 3 ans. Il va vous sortir, ça va faire très mal. Pire qu'une raclée, tiens, j'ai hâte de voir ça. Oh, ça va être la honte pour vous. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Vas-y, rapido, vas-y, éclate-les, démonte-les. Ah, je vais m'éclater. Je suis désolé d'avoir à vous demander de bien vouloir faire ce qui vous le demande. Il est un peu énervé ces derniers temps. Vas-y, rapido! Demain, quand on reviendra, il vaudra mieux que vous soyez plus là. Sinon... Génial, super, bravo, t'as pas donné un coup, quel contrôle. Génial, c'est bon, ils sont partis, t'en fais une tête, t'as pas l'air content. Bon, demain on remet ça, ok? Le dragon de fer cherche sa proie. Avec sa queue, il frappe. Très bien. Alors là, les yeux sont bien. C'est fini. Debout. Tu vas m'aider dans ma préparation kung-fu et de cette manière, le kung-fu tu apprendras. Ces deux brigands ont réveillé le singe de feu qui est en moi. Fais ce que je te dis et ouvre les yeux en grand quand le maître entre en action. Je reviens. Donc il se couche. Jette-moi un truc à la figure, allez. Et te retiens pas, vas-y à fond. Un truc comme ça par exemple. Jette-moi un truc. Le roseau plie, jeune facochère, mais ne rompt jamais. Ouais. Hein? Wouah, maître, c'est incroyable, vous avez dispersé toute l'armée russe en 2 secondes. Grand chinois, grand. Merci. Excusez-moi de vous déranger, grand maître, mais ça sert à quoi cette odeur puante qui pue? Ça ne pue pas, c'est de l'encens, petit Fennec. Il permet d'éloigner les mauvais esprits, y compris ceux qui habitent un grand corps plein de muscles. Ah, ils peuvent venir! Maître Rapido les attend. J'avais pas dit qu'il vaudrait mieux que vous ne soyez plus là, hein? Sinon... Bien, bien, il est temps de passer au sinon. Tous vos sinons ont mis Maître Rapido en colère. Qui serait plus fort karatéka, évidemment, c'est Rapido. Voici. Le dragon de fer cherche sa proie. Le dragon de fer cherche sa proie et avec sa queue, il frappe. C'est dans Kung Fu Monster, le premier.
Je l'ai vu moi aussi, plusieurs fois même. J'ai le coffret DVD Kung Fu Monster 1, 2 et 3. Avec des combats de Nunchaku en supplément bonus. Soyez dans ma taillard. Alors là, tu me déçois énormément. Toute cette histoire d'enseignement à 3 ans et demi, les moines Shaolin, tu m'as menti et je t'ai cru. C'est pas beau de mentir, rapido, t'es vilain. Eh oh le grand, viens t'expliquer avec moi de plus près. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes tout de suite. Dehors, tu dégages de ce bateau. Maître, acceptez-moi pour disciple, je vous en supplie. Apprenez-moi la technique du dragon d'or qui fume pour régner sur le port de Hong Kong. Tu veux être mon disciple? Ok, d'accord, ça marche. Mais tu te la fermes et tu me suis, ok? Alors, pour mériter le titre de grand maître qui fait ce qu'il veut comme forme avec la fumée, tu devras d'abord gravir les 707 échelons de la sagesse. D'accord. Très bien. Pour l'étape numéro 1, il te faudra faire preuve de courage. Tu vas plonger dans la mer, nager jusqu'au Cambodge, où tu graviras la montagne de la vérité. Tu pourras la reconnaître, en haut, il y a un peu de neige. Quand ce sera fait, ben, il y aura pause déjeuner, après on enchaîne. Merci, ô grand maître du dragon qui fume. Foyaya! Il est incroyable ce magicien. Il a réussi à transformer un grand cheval en grand poney. C'est fou ça. Mais c'est un bouffon. La magie c'est pas ça. Tout le monde le connaît, le coup du poney. C'est des effets spéciaux. Rien à voir avec la vraie magie, celle que je connais. Celle de Houdini, mon maître. C'est lui qui m'a tout appris, oui, quand j'avais 2 ans et demi. Bon, allez, abracadabra. Houdini fut le plus grand des magiciens de toute l'histoire de la magie. Répare ça tout de suite! Non, tu te la fermes. Allez, tu dégages maintenant, sale mouche. Allez, sinon je vais chercher une tapette, dégage. Non, j'en peux plus. Au secours, Razmour. Je sais pas nager, au secours. T'inquiète pas, rapido! Super Razmour est là! Au secours, Razmo, je viens m'aider. Laisse-moi te sortir de là. Razmo, tu es mon sauveur. Mon meilleur copain. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu vas te taire, mais tu vas te taire. Hein? J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de t'entendre beugler toutes les nuits. Pas moyen de fermer l'œil. Au cas où tu aurais oublié, ma chambre est juste à côté. Ah, rapido, j'ai encore rêvé de toi. Tu étais au milieu de l'océan, tu savais pas nager, mais moi, j'arrivais juste à temps pour te sauver et tu me serrais dans tes bras. Mais ferme-la! Allez, dégage, tu vas dormir dans ton atelier. Hé là, attends une minute! Je te signale que c'est ma chambre ici! C'est quand même pas de ma faute si je parle en dormant, je fais ce que je veux! Alors s'il te plaît, sors de ma chambre, que je puisse finir mon rêve tranquillement. Razmo, si tu vas pas tout de suite dans ton atelier... Eh ben quoi? Tu vas faire quoi sinon? De manière, t'as de la chance que j'avais envie d'y aller. Faut toujours qu'il ait le dernier mot, j'en ai marre. C'est parce qu'inconsciemment, j'ai pas envie de gagner. C'est à cause de mon subconscient, en fait, que je manque de confiance en moi, c'est ça. N'empêche, j'aimerais bien savoir pourquoi mon subconscient, il fait ça. Hein? Hé! Hey! Mais oui, bien sûr! J'ai qu'à lui demander. Bon, si je veux lui demander, il faut que je puisse lui parler. Et pour pouvoir lui parler, il faut que je le matérialise. Et je vais pouvoir faire ça grâce à ce casque auto-extracteur. Et hop. Je vais canaliser son essence et la récolter à l'intérieur de cette cuve à infusion nucléaire. Et à ce moment-là, je pourrai enfin discuter avec mon subconscient en tête à tête.
Et maintenant, c'est l'heure de mon grand rendez-vous avec moi-même. Bonjour, Rasmo. Je suis toi. Je voulais te demander, c'est quoi ton problème avec moi? Moi, je n'ai aucun problème avec moi-même. C'est toi qui as un problème avec toi-même, regarde-toi. Hein? Oh là là, non mais il a raison, t'as vu ce bide, c'est dingue. C'est bien ce que je disais, le problème c'est toi. Alors, Rasmo, on fait un gros dodo dans son local à poubelle? Ah, quelle horreur, mais regarde-moi ça, il y a ta mocheté qui se reflète dans le miroir, bah. D'abord, tu me parles autrement, et ici c'est pas un local à poubelle. Tu oses me contredire? Rasmo, mais depuis quand t'es aussi sûr de toi? Mais ça m'étonnerait pas que t'aies triché. Je lui dis ou je lui dis pas? Ne fais pas ça. En fait, j'ai un petit secret. C'est grâce au lutin que j'avais dans ma tête. C'est lui qui m'a aidé. C'est lui, là. C'est ma conscience que j'ai matérialisée. Ben, c'est très simple. J'ai relié mon crâne au suceur de conscience 3000, le meilleur. Mais c'est de la triche. C'était peut-être pas une très bonne idée de lui dire au grand Rasmoto. Rapido, touche pas à ça. Tu sais pas t'en servir, ok? N'importe quoi. En fait, j'ai un petit peu peur du résultat. Regardons de plus près. Allez vous rhabiller, bande de minables! C'est moi le subconscient le plus classe de la planète! Hey, salut beau gosse, tu m'as l'air bien en forme aujourd'hui. Ouais, ça va, on se maintient, t'es pas mal non plus, tu sais. Hey, dis-moi, ça t'ennuie si je lui fais sa fête à ce bouffon? Fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu regardes, petit bouffon? Attends, toi, tu me cherches là, tu veux te battre, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Tu veux que je te rentre dedans? T'es bouffon, t'es bouffon, t'es bouffon! Pitié! Hey, laisse-le tranquille, tout de suite. T'as raison, même sans moi, Rapido lui met la pâtée. Tu parles dans tes rêves, oui. Rasmo est bien meilleur que ta doublure minable. Oh, on me fait pas rire, y'a pas meilleur que Rapido. Tu veux le prouver, petit prétentieux? Quand tu veux, fantôme. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire, en fait. Je te propose l'épreuve absolue de la maîtrise de toi. Quoi? Une épreuve? Des spaghettis à la carbonara! Mon plat préféré! Le premier qui cède à la tentation a perdu. On a le droit à combien de pâtes par personne? C'est rien de plus qu'un gros tas de calories. T'as quand même pas besoin d'un repas gratuit. Pauvre rat primitif. Ouais, même moi j'avoue que je suis dégoûté. Ouah, ils se prennent drôlement au sérieux ces deux-là, hein. Il faut trouver le moyen de les départager, voyons. Je sais. L'épreuve du cri. Oui, bonne idée, c'est parfait. Pour cette deuxième épreuve, les règles sont simples. C'est le premier qui crie qui a perdu. C'est quoi ces jeux de nuls? Oh, c'est quoi cette espèce de saucisse vert fluo là? Au moins, ils ont crié en même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est un match nul. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Non, évidemment! Ah là là, on est vraiment pas aidé, hein! Oh! Regarde! On dirait que c'est la sortie! Psst! Attention, c'est un piège! Psst! Méfie-toi, c'est un piège!
Bon ben, vas-y toi, vas-y, à toi l'honneur. Oh non non non, je t'en supplie, vas-y, à toi, jamais je passerai devant toi. Bon d'accord, on y va tous les deux en même temps. Ah, ça a l'air tout gluant. Ma main, je peux plus l'enlever. Tu t'es fait avoir à la honte. Rappelle-toi, si tu cries, t'as perdu. Bon, bah salut maintenant. Vas-y, pars, qu'est-ce que t'attends, petit rat? Cours, qu'est-ce qui te retient donc? C'est bien, ils ont l'air de venir, c'est bien, y'a pas de cri. Oh non, ils sont encore à égalité. Ne dis quand même pas que tu sais pas nager, mais tu te couvres de ridicule. Vite, Rasmo, va l'aider, il va se noyer. Mais c'est comme dans mon rêve. Laisse-le, s'il veut réussir l'épreuve, il doit se débrouiller comme un grand. Rien. Je me noie. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête. Je fais ce que je veux, c'est mon poulain. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête. Je fais ce que je veux, c'est un loup mon mais... Fuchs, tu as perdu la tête. Je fais ce que je veux, c'est mon poulain. Poulain, poule, 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 poulain. Mais qu'est-ce que... Ils ont bugué, Rapido. Vite, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est les clés du succès. Tête l'a perdu. Fais-tu esquisse-quisse-que. Poulain, c'est mon veux-cu, fais-ce-que. Ah, c'est quoi cette musique? Dépêche-toi, ils arrivent. Vous l'avez cassé, pourquoi? Parce que tu dégages. Voilà, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, ça fait du bien. Ouais. Il y a quand même un petit truc qui me tracasse. Est-ce que tu vas te moquer de moi parce que tu sais que je sais pas nager maintenant? Tu m'étonnes. Arrête ou je dis à tout le monde que tu t'es fait refaire les oreilles. Attends, tout le monde le fait de nos jours. Un, nous deux, ma grenouille. Cette fois, je peux te dire que tu vas baisser les yeux. Mais laisse tomber, t'y arriveras jamais. Toi, ma vieille, si jamais tu recommences, je te bouffe une cuisse. Aïe! J'en ai marre, 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 marre! Il n'y a plus qu'à l'attendre. C'est cette nuit qui va passer. Et pourquoi est-ce qu'il passerait cette nuit? Ça serait bien la première fois. Hein? Hein? Il passera parce que c'est Noël. Et cette nuit, le Père Noël, il descendra du ciel. C'est Noël, c'est Noël. Le Père Noël, il va descendre par milliers. Bon sang, il y en a mille Père Noël, mais c'est lequel le bon? Il y a le faux, il y a le gros, il y a le petit. Bon sang, c'est les sept nains ou le Père Noël? Il descend avec du poulet à cheval. Oh ouais, tiens, on mange de la dinde, qu'est-ce qu'on mange? On mange du poulet. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne digestion. Ce soir, il y a de la bûche, une bonne bûche de Noël, une bûche au fromage, à la sèvre et à la banane. C'est normal, c'est l'année du singe. Et l'autre qui attend son Père Noël. Pff, le nul. Oh, wow, qu'est-ce que c'est ça? Il est quand même un peu bizarre, ce sapin. Hop, 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 on se réveille, on y va. Hop là. Wouah. Wouah, l'engin. Mais c'est super, j'adore. Un traîneau-fusée. Hé. Pas touche.
C'est interdit, ne jamais, je dis bien jamais, toucher au traîneau, effleurer le traîneau, ni même caresser le traîneau, même pas en rêve. Eh oh, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il veut le petit nain, là? Je sais... Ah si, mais c'est un petit gnome! Qu'est-ce qu'il veut le gnome? Attention, toi! Fais très attention! Est-ce que tu sais seulement à qui tu parles? Hmm? Ah! Puisque c'est ça, Rasmo, tu seras puni cette année! Tu n'auras pas de cadeau! Rasmo? C'est seulement si on est sage, les cadeaux! Sinon, on n'a rien du tout! Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? Il faut que je trouve un cadeau pour Rasmo. Un cadeau, mais quoi comme cadeau? Un cadeau! Celui-ci, c'est celui de Benny. Et celui-ci, c'est le mien. Ouais. Il y a qu'à donner le cadeau de Svetlana à Rasmo. Déjà 5 minutes qu'il aurait dû passer. C'est fichu, il viendra plus. Oh. Papa Noël? Joyeux Noël, les enfants. C'est lui! Joyeux Noël. Merci, papa Père Noël. Alors, ça y est, si je comprends bien, il est passé, oui? Oui, il est passé. Regarde, il m'a apporté mes cadeaux. Ouais! Regarde ce que j'ai eu! Eh ben dis donc, je trouve qu'il t'a drôlement gâté hein, cette année, le Père Noël. Mais, qu'est-ce que c'est? Mais oui, bien sûr, je sais ce que c'est, je suis bête! Mais oui, je sais, en fait, je sais ce que c'est un... je sais, en fait. Dernier né de la technologie spatiale. Y a pas meilleur casque à l'heure actuelle des choses. Je peux pas résister. Faut tout de suite que je l'essaye. Allez, à Père Noël, hein, on n'attend plus que toi. Oh, oh, oh. Ah, ah. Ouais, chouette, hein, qu'est-ce que ça peut être? Oh, une poêle. Oh, la mienne. Où est mon cadeau? C'est pas possible. Oh. Il est super, ce casque. Hein? Wow! Le Père Noël! Oh, il faut que je le remercie absolument, Papa Noël, Papa Noël, merci! Merci, Papa Noël! J'adore mon cadeau! Hein? Mon vase! Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le vrai! C'est Svetlana qui s'est déguisée! Ah la honte! Explosé en plein de petits morceaux! Ah! Ma rat-board! Eh oui, elle est fichue! T'es bon pour t'en refaire une neuve! Tu comprends pas! Tu comprends pas! Voilà ce qui arrive quand on veut jouer au Père Noël à la place du Père Noël! Faut faire drôlement attention, c'est pas rien! C'est même la plus grande fête de fraternité et de paix sur la Terre! Et hop là! Tu as commis une erreur et maintenant il faut que tu la répares! Sois un gentil garçon, montre que tu respectes et honores Noël! C'est à toi de restaurer l'esprit de cette fête! Et alors, comment tu veux que je fasse? Eh bien, pour commencer, tu te calmes et tu t'excuses. Bon, d'accord, je m'excuse. Je m'excuse qui? Non mais il est pas vrai celui-là. Et celle-là, tu la vois? Tu veux que je te la mette et que je te rapetisse encore un petit peu? Tu m'as pas eu. Ouah, de la bûche au fromage de chèvre et la banane, celle que je préfère. Quel délice! Et allez, viens, reviens, reviens, tu vas voir, j'ai un cadeau pour toi, viens voir! Vas-y, mon grand, fais tant mieux, je te regarde! Ah! Qui c'est qui a éteint la lumière? Bon, ok, c'est bon, t'as gagné. Qu'est-ce que je dois faire pour honorer l'esprit de Noël? C'est très simple.
Pour te racheter, tu devras offrir à Svetlana la chose qui, pour toi, a le plus de valeur au monde. Ma Mimi, je l'ai depuis que je suis tout petit. Il le faut. Un petit jouet pour moi? J'entends l'esprit de Père Noël. C'est le pire des pires de Noël de toute ma vie. À qui le dis-tu? Il m'a coûté cher cette année. C'est ce que j'avais de plus cher au monde, Mimi. Maintenant, plus rien n'a d'importance pour moi. Serre-toi contre tonton Razmova, ça ira mieux. Hé, hey, là-bas! La fausse Père Noël! Elle t'a piqué ta Mimi! Attends, mais elle s'en sert de bonnet! Ouais, je sais. Mais attends, mais c'est ton doudou, mais t'es malade ou quoi? Pas du tout! Au contraire, il a retrouvé l'esprit de Noël. En donnant son bien le plus précieux à Svetlana, il a sauvé l'esprit de Noël. Non mais attends là, mais qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Non mais qu'est-ce que tu veux, Non mais qu'est-ce que tu veux, tu me cherches, c'est le pire Noël de mes tu me cherches, c'est ça? Tu viens, qu'est-ce que tu me fais la morale là? Non attends, tu comprends pas du tout ce qui se passe. Mais je comprends très bien au contraire. Tu as réussi à convaincre mon pote de donner sa petite souris qu'il aime plus que tout. Sa petite souris qu'il aime autant que sa mère. Bon allez, salut les gars, quand faut y aller, il faut y aller. T'as 2 minutes pour rattraper le coup, Ludin. Passez ce délai. Oh, du calme, voyons. Il est inutile de s'énerver. On va trouver un moyen. Y a vraiment aucun problème. Allô? Père Noël? Oui, c'est pour une urgence. Une erreur qui a été faite. Code 642. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez même très bien ce que c'est, hein? Ah, d'accord. À tout de suite. Il va venir tout de suite. Ça vaudrait mieux pour ta petite santé. Allez, à l'année prochaine. Et joyeux Noël. Mais le fou, ça va pas la tête, il a tout mis dans la cheminée. La pression augmente, ça va exploser, tout va sauter. Tout ce qu'il a apporté est en train de couler. Ouais, mais c'est joli, regarde, ça donne un petit côté joyeux à la mer. Hein? Hé, hey, mais c'est ma Mimi à moi. Eh bien alors, comme ça on croyait plus au Père Noël, monsieur Lastico? On a eu chaud cette fois. Hein? Moi, Shopka. Père Noël,